Avoir peur est naturel. Mais lorsque la peur devient un handicap à l'épanouissement personnel, il y a lieu de savoir comment la vaincre. Le problème est que la majorité des personnes s'accrochent à leur peur. Elles s'y accrochent parce qu'elles pensent que la peur fait partie de leur personnalité. Eh bien, nous sommes heureux de vous dire que c'est faux. Si vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est que vous avez décidé de faire un grand pas en avant pour affronter vos peurs. Découvrez donc sans plus tarder 15 façons de vous libérer de vos peurs. Beaucoup de ceux qui prennent des résolutions échouent parce qu'ils ne donnent vraiment pas la chance au succès de s'installer. Et cet échec est imputable dans la majorité des cas à la peur. Certains ont peur de l'échec, d'autres ont peur du succès. Quelle que soit l'origine de votre peur, elle vous immobilise et vous empêche de réaliser ce que vous désirez. Il n'y a pas de moyen plus sûr d'échouer que de ne jamais essayer. Agissez pour ne pas laisser la peur vous tuer à petit feu. Voici comment vous devez procéder pour véritablement atteindre vos objectifs sans fléchir devant la peur. 1. Ayez l'humilité de reconnaître votre situation. Avant de pouvoir vaincre la peur, vous devez être conscient qu'elle cause des ravages dans votre vie. Reconnaissez-le, vous n'êtes pas vos peurs. Vous êtes plutôt la conscience qui en fait l'expérience. Avoir l'humilité de reconnaître votre situation vous permettra d'identifier la cause de vos peurs. Restez focus sur ce dont vous avez exactement peur. Faites attention aux images et aux clichés emmagasinés dans votre conscience et qui vous donnent un aperçu de votre situation. Quelles sont vos pensées? De quoi avez-vous vraiment peur? Vous devez être un observateur objectif de votre espace intérieur. Une fois que vous avez une meilleure idée sur votre situation et la raison de votre peur, vous pouvez la confronter plus efficacement. 2. Comprenez la peur et acceptez-la. Avant tout, sachez que la peur existe pour nous protéger. De façon intrinsèque, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est plutôt un outil que l'on utilise pour prendre de meilleures décisions. La peur n'est pas conçue pour vous garder inactif. Bien au contraire, elle est là pour vous aider à agir de manière à générer les résultats dont vous avez besoin. Prenez donc votre peur comme une incitation à l'action et laissez-la guider vos actions. 3. Ne vous précipitez pas dans vos prises de décision, restez éveillé. Nous avons tendance à admirer les gens qui agissent rapidement. En présence de la peur, les décisions prises à la hâte sont rarement les bonnes. Par conséquent, il vous faut vous calmer pour rester maître de la situation. La meilleure chose à faire, c'est de planifier et de rythmer vos actions. Face à la peur, il vous faut aussi examiner dans la mesure du possible les différentes options qui se présentent à vous. Ainsi, vous aurez de meilleures chances de faire un choix sage et bien pensé plutôt que de sauter, dans le feu de l'action, sur la première idée qui semble bonne. 4. Nommez votre peur. Parfois, le simple fait de dire quelle est votre peur vous donne la force de la gérer. Dites votre peur à haute voix, écrivez-la ou concentrez-vous sur elle. Lorsque vous essayez d'ignorer votre peur, elle grandit. Lorsque vous vous la représentez, elle vous paraîtra comme un obstacle moins difficile à surmonter. 5. Pensez à long terme. Si vous êtes un entrepreneur, vous pourriez avoir peur de ne pas réaliser la prochaine paye. Mais quelles sont vos perspectives sur 3 mois, ou les perspectives dans 3 ans? Rester focalisé sur le long terme ne résoudra pas votre problème à court terme, mais cela peut vous aider à y penser de manière plus objective et à trouver la bonne solution. Dans plusieurs cas, faire preuve de patience et d'objectivité aide beaucoup à se débarrasser de ses peurs. 6. Renseignez-vous. Autant on peut avoir peur de rien, on peut également avoir peur de l'inconnu. Si votre peur est basée sur un manque d'informations, trouvez le moyen pour acquérir les connaissances dont vous avez besoin. Vous pourrez alors examiner la situation sur la base des faits réels au lieu de spéculer. 7. Préparez, pratiquez et jouez. Si votre peur est liée à votre performance dans une certaine activité, préparez-vous, pratiquez et jouez. Cela vous permettra de mieux vous adapter à la situation. Que vous jugez au préalable inconfortable. L'entraînement est certes différent de la compétition, mais c'est à l'entraînement que le champion se forge et se peaufine. Peaufinez donc vos compétences, faites face à vos inconforts lors de vos séances de préparation et de pratique. Cela vous permettra d'être suffisamment outillé pour vaincre votre peur et relever le défi qui se dresse devant vous. 8. Utilisez la pression des pairs.
Avez-vous déjà fait quelque chose d'effrayant, comme sauter d'un haut pont dans une rivière en contrebas, uniquement parce que vous étiez avec des amis qui vous poussaient? Eh oui, la pression des pairs, comme la peur, elle-même peut être positive ou négative selon la façon dont elle est exercée. Entourez-vous donc de personnes qui vous challengent, qui vous poussent à surmonter vos peurs, à dominer et à maîtriser ces angoisses qui vous éloignent de ce que vous voulez, de vos objectifs. 9. Visualisez le succès. Les athlètes peuvent imaginer la réussite d'une tâche physique des milliers de fois avant de l'accomplir. La représentation mentale de votre succès garantit que lorsque vous serez à l'œuvre en train de vous confronter à votre peur, vous serez focalisé sur l'objectif, le chemin à suivre. Visualisez donc et votre succès vous permet donc de voir au-delà de cette crainte qui vous inhibe. Ainsi, visualisez en avance, votre succès vous conditionnera à réussir tout ce que vous essayerez de réaliser. 10. Mesurez la grandeur du défi à relever. Quel est vraiment le poids, la valeur de la chose dont vous avez peur? Nous sommes parfois tellement pris dans le succès ou l'échec d'une quête particulière que nous perdons le sens de sa place dans tout ce que nous apprécions. Demandez-vous donc quel est le pire qui puisse vous arriver? Vous pourriez constater que ce qui pourrait vous arriver si vous restez les bras croisés est pire que la peur elle-même. Ainsi, vous serez plus motivé à agir dans l'optique d'éviter ce pire que vous ne souhaitez pas connaître. Autrement dit, vous voudriez en finir avec vos angoisses sur le champ. 11. Demandez de l'aide. Quelle que soit la chose qui vous fait peur, est-ce que vous êtes obligé de l'affronter seul? Bien sûr que non. N'hésitez donc pas à demander l'aide d'un mentor, d'un ami ou intégrer un groupe de soutien. Ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire? Alors demander de l'aide ne vous limite pas. Au contraire, avec une aide extérieure, vous pouvez gagner en force, en motivation et en compétences. À titre d'exemple, les athlètes ont des entraîneurs, les étudiants ont des professeurs. Parfois, les amis, même s'ils n'ont aucune expertise dans le domaine où vous souhaitez relever un défi, ils peuvent fournir le soutien nécessaire pour vous permettre de mieux faire face à votre peur. 12. Suivez les autres, essayez de nouvelles solutions. Êtes-vous sur le point de relever un défi exceptionnel? Quelque chose qui n'a encore jamais été fait? Si c'est le cas, vous pouvez vous inspirer de l'histoire des personnes qui ont été les premiers à relever des défis autrefois qualifiés d'impossibles. Vous pouvez suivre leurs traces ou vous inspirer du vécu de quelqu'un qui vous motive en particulier. Vous pouvez aussi vérifier s'il n'existe pas une formule de réussite, un livre sur le sujet ou s'il est possible ou non d'adapter ou de modifier les solutions utilisées dans un autre domaine pour répondre à vos besoins. Procéder ainsi vous permettra de trouver de bonnes solutions et de mieux vous armer pour relever ce défi, cette peur qui paraît indomptable. 13. Ayez une attitude positive. Dans le livre de Brian Tracy intitulé « Le pouvoir de la confiance en soi », devenir imparable, irrésistible et sans peur dans tous les domaines de votre vie, l'auteur demande que feriez-vous différemment si vous étiez absolument assuré de réussir dans une entreprise? Essayeriez-vous plus de choses? Souhaitez-vous faire encore plus longtemps vos efforts alors que la plupart des hommes auraient abandonné? Si oui, alors vous avez la bonne mentalité. C'est à vous de dicter votre loi à cette peur, ce défi qui vous empêche d'avancer. Après tout, vous devez avancer, vous devez atteindre l'objectif, n'est-ce pas? Les gens qui ont des attitudes positives réussissent parce qu'ils continuent d'essayer là où d'autres auraient abandonné. 14. Soyez prêt à changer et à vous remettre en cause. Comme le dit l'adage, si au début vous ne réussissez pas, essayez, essayez à nouveau. Mais, il y a aussi le dicton, la folie, c'est faire la même chose encore et encore, et s'attendre à des résultats différents. Si vous avez peur de faire quelque chose à nouveau parce que cela n'a pas fonctionné la dernière fois, vous devez impérativement essayer de comprendre pourquoi cela n'a pas fonctionné. Une fois que vous connaissez la réponse à cette question, vous pouvez maintenant essayer quelque chose de différent. Remettez-vous en cause, essayez de vous améliorer et de vous perfectionner. C'est de cette façon que vous pouvez surmonter toutes vos peurs et les difficultés qui se présenteraient devant vous. 15. Concentrez-vous sur les autres, ils sont de véritables sources de motivation. Il y a des choses que nous ne ferions jamais pour nous-mêmes, mais que nous ferions rapidement et sans crainte pour les autres. Pensez à tout le bien que vous ferez à vos proches, à l'honneur que vous ferez à votre famille et à vos amis si vous relevez ce défi qui se dresse depuis des lustres sur votre chemin.
Oui, en y pensant vraiment, vous pouvez gagner en motivation et être désormais résolument engagé à affronter vos peurs. Faites donc le premier pas et donnez-vous cette chance et cet honneur de découvrir ce qu'on ressent lorsqu'on vient à bout d'un obstacle qu'on pensait insurmontable. La balle est désormais dans votre camp. Lancez-vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu juste en dessous pour nous le prouver. Évidemment, abonnez-vous aussi à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.